Et hop les potes, hop tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir sur Avenger, pour continuer bien sûr le mode histoire. Il paraît que la vue devait être superbe quand cet engin volait. Si Peut-être vous que Monsieur kiffez Stark peut cette encore le série, réparer? n'hésitez pas à vous abonner, à liker ma vidéo et bien sûr, continuez de C'est regarder vraiment le bazar les autres ici. épisodes. Et moi Je je vous pense dis, qu'ils c'est utilisaient cet parti. endroit comme entrepôt. Je devrais aller parler à Bruce. Ou alors, je pourrais explorer un peu plus maintenant que certaines portes fonctionnent. Et laisser le temps d'oublier qu'il m'a fait pleurer. Hé, Bruce! Désolé pour. T'as pu trouver, tu sais qui? J'allais justement me pencher là-dessus. Tu peux me donner un coup de main de l'autre côté? Appuie sur ce bouton. Bon, voyons ce qui se passe. Bonjour, Docteur Banner. Oh, waouh! On a réussi! L'ami informatique super génial de Tony Stark! Oh, je ne suis qu'un simple système doté d'une intelligence hors norme. Ravi de vous rencontrer, mademoiselle. Khan, mais tu peux m'appeler Kamala. C'est un plaisir, mademoiselle Kamala. Qu'est-ce qui se passe? Le terminal de mission n'a pas assez de jus. Le système est en verrouillage d'urgence. On dirait que j'ai déclenché les capteurs de sécurité quand j'étais dans le labo. On va devoir les désactiver. Je m'en occupe. Ok, Bruce, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois utiliser la console qui est sur la table du labo pour désactiver les capteurs. Oups. Je crois que c'est pire qu'avant. C'est pas grave. Il va juste falloir que tu désactives les capteurs de sécurité manuellement. Ce sont des petites lumières rouges. Comment je suis censé les atteindre? Tu plaisantes? Oui, c'est vrai. Je peux étirer mes bras. Et de 1. Ok, c'est facile. Tu sais, dans une de mes histoires, Iron Man doit détruire des lampadaires pour que Black Widow puisse infiltrer une base de l'Hydra. Ah oui, génial. Je pensais pas qu'un Avenger était vraiment censé faire ça, tu vois. Enfin bon, je suis pas vraiment une Avenger. Génial, ça a marché. Reviens ici. Tu es presque petite. Bien joué, Kamala. Jarvis, on doit trouver Tony. Jarvis? Je lance la recherche. Oh non, on dirait qu'il y a un problème, Docteur Banner. J'aime pas ça. Oh non. Il semblerait que ma liaison neurale ait été endommagée lors du crash du Chimère. C'est une technologie exclusive du Shield. Sans elle, je ne peux pas accéder à la base de données globale. Du Shield? On va appeler Maria. Maria Hill? C'est elle qui dirige le Shield maintenant? Plus ou moins. Personne ne sait ce qui est arrivé au Directeur Fury. Il est la seule en qui nous pouvons avoir confiance. Bruce? Contente de vous voir. Après ma confrontation avec Hulk, je n'étais pas sûre d'avoir de bonnes nouvelles. Oui. Je vous présente mes excuses. Hulk traverse une période... difficile. Vous n'avez pas à vous excuser. Nos vies se sont effondrées ce jour-là. Mais je suis contente de voir que les Avengers se reprennent du service. Je dirais pas ça comme ça. Bonjour, Kamala Khan. On est que deux pour l'instant. On essaye de trouver Monsieur Stark. Oui, il nous faut une liaison neurale. Vous devez bien en avoir une quelque part. Toutes nos ressources ont été saisies par l'AIM et la plupart de nos agents se cachent. Mais j'ai peut-être une idée. J'envoie les coordonnées à votre terminal de mission. Je vous ferai le briefing en chemin. Dois-je lancer les moteurs du Quinjet, monsieur? Quel Quinjet? Tu savais qu'il était là depuis tout ce temps? Pas du tout, je t'assure. Tu voulais juste faire un petit road trip en camping-car, pas vrai? Non. 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 Je vous donne accès à la fréquence sécurisée du Shield.
Elle devrait vous mener au bunker. Attendez, je détecte des interférences. Quelque chose bloque le tracker. Essayez de trouver ce que c'est. D'accord. Il faudra garder un œil sur lui, Carla. La FM a découvert le cœur, mais ils ont installé leur propre base dans la même zone. Essayez de ne pas vous faire voter. Bastache, pas vrai, Hulk ? Pas d'inquiétude. Je vais vous guider jusqu'au brouilleur de Sirius. Là-haut, c'est un vaisseau d'IM. Hulk, écrase IM ! T'es un Avenger ? C'est sûrement cette antenne qui brouille votre signal. Vous allez devoir affronter les forces de l'AIM pour l'atteindre. Ces ennemis doivent être neutralisés. Le signal devrait pouvoir passer maintenant. Je le reçois parfaitement. Le tracker vous mènera jusqu'au bunker du Shield. Il faut suivre les bips. C'est parti. Le commandant Hill est toujours injoignable, hein. J'essaye de pas paniquer. On va pouvoir se réchauffer, Hulk. Au fait, tu ressens le froid? Les données ne sont pas concluantes. Ça fait quoi? De pas avoir de liaison, je veux dire. C'est comme une sorte d'amnésie? Je ne suis pas certain de ce que l'équivalent humain pourrait être. J'imagine que ce serait comme être interdit de bibliothèque. Oh, comme quand Ami éteint le wifi. Par exemple. Wow, regarde-moi tout ça. On va devoir fouiller partout. La liaison neurale est tout près. Cool. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que nous avons déclenché un système de sécurité secret du Shield. Avenger détecté. Bonjour Avengers. Ça fait longtemps. Nick Fury? Si vous entendez ça, alors le pire est arrivé. Ils m'ont eu. Et ça veut dire que j'ai besoin de vous plus que jamais. J'ai toujours craint que le Shield s'effondre. J'ai donc fait en sorte qu'il puisse se relever. Voici les protocoles du Shield. Le Shield fut créé pour défendre le monde. Dans un moment comme celui-ci, où tout semble perdu, nous devons nous lever et faire front. Rendez-moi service. Apportez ces protocoles au sous-directeur actuel. Ils permettront au Shield de se reconstruire. Bonne chance, Avengers. Terminé. C'était Nick Fury. Le directeur du Shield. Les protocoles dont il a parlé doivent être à l'intérieur. Protégez la liaison. Je pense pouvoir transférer les protocoles sur un serveur sécurisé. On doit rapporter ces données aux chimères. Tu penses qu'on peut s'occuper d'eux ?
sécurisée. Et on a la liaison neurale. Beau travail, Hulk. Top là. Fichons le camp d'ici. Maintenant que la liaison neurale a été installée avec succès, j'ai accès à toute ma base de données. Le directeur Hill examine les protocoles SHIELD que vous avez également récupérés. Tu te sens mieux, Jarvis ? Tout semble être en état de marche. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente pour moi, pour le SHIELD. Merci, Bruce. Et merci, Kamala. Avec ça, je vais pouvoir commencer à reconstruire le SHIELD. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Je pense qu'on va se voir beaucoup plus dorénavant. Avec plaisir, Madame la Directrice. Est-ce que je suis censée faire un salut ou... Non, ce n'est pas la peine. Bonne chance à tous les deux. Jarvis, tu crois que tu peux nous trouver Tony ? Il va me falloir un moment, mais je devrais pouvoir trouver Monsieur Stark. En attendant, j'ai trouvé quelque chose qui devrait intéresser Mademoiselle Khan dans la pièce arme. Dans la quoi ? La machine de réalité augmentée holographique. Les Avengers l'utilisent pour s'entraîner. Wow, ça a l'air génial ! Cependant, je préfère vous prévenir que le système risque d'être inconstant. C'est pas dangereux ? Le risque de blessure est de 0,0001%. Ok. Je te fais confiance, je crois. Traversez les quartiers de l'équipage. La pièce arme est située à l'étage inférieur du hangar. Merci, Jarvis. C'est Phil Sheldon, en direct du campus de recherche Olympia. J'ai du mal à croire que c'est réel. Un Quinjet vient de me déposer sur une base secrète du SHIELD, on a vu Nick Fury, et là je suis en train de parler avec Jarvis et je suis en train de perdre mon calme. Désolée. Inutile de vous excuser, Mademoiselle Khan. Je suis prête. J'active le processus. Wow, quoi ? Voici ARM, la machine de réalité augmentée holographique. Je suis Iron Man ! En effet, j'ai connecté l'ancien simulateur de vol de Monsieur Stark. J'espère que cela vous convient. Tu veux rire ? Je suis Iron Man ! Gare à vous, méchant virtuel ! Monsieur Stark. Allons-y. La dernière position connue de Monsieur Stark est la maison de ses ancêtres, Acre Doré. Vous pourrez peut-être y trouver un indice sur l'endroit où il se trouve actuellement. J'en avais jamais entendu parler. Il a pas l'air de vouloir être retrouvé. Non, effectivement. La propriété est située dans une région reculée du Nevada. Je peux vous fournir ses coordonnées précises. Docteur Banner, j'ai terminé les analyses que vous m'aviez demandées et découvert des traces résiduelles de radiation gamma dans une région isolée du nord-ouest pacifique.
Il semble que Madame Rapacini se serve de vos recherches pour y réaliser des expériences. J'ai marqué l'emplacement sur le terminal de mission. Du coup, on va se laisser là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Et moi, je vous dis bonne journée ou bonne soirée. C'était Hélène. Ciao.